Yo tout le monde, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre aventure sur le deuxième chapitre de Battlefield 5 qui se trouve cette fois en Norvège et on va jouer la résistance norvégienne avec une fille qui apparemment doit retrouver sa mère et tout. Enfin, on va voir ce que ça donne. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la... Enfin, bien 2-3 semaines que j'avais pas fait de vidéo pour la chaîne gaming puisque j'avais besoin de faire 2-3 petits trucs et nous allons tout de suite reprendre. Allez, c'est parti, alors on va faire... une lettre des filles, okay. Norglis 1943, cela fait 3 ans que la Norvège est occupée et qu'elle ne connaît plus la paix. Rejoignez la résistance à la recherche d'un de ses membres disparus. Allez, c'est parti. On va juste se mettre... Bon bah le couille, allez, c'est parti. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom ind som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Et af de monstre i skogen. For 3 dage siden prøvede en liten britisk kommandotrop at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved at nogen er der ute. Bare fortæl mig, hvem det er. Det findes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men der du bør bekymre dig for, det findes ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Ved du, hvad dette anlæg gør? Hvad det producerer? Jeg trænger ikke bry mig om slike detaljer. Jeg trænger at vite om der er flere soldater der ute. Altså, du ved ikke, eller du vil ikke vite.
jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Ok, d'accord, donc du coup... Ok. Donc, apparemment, c'est pas sa mère. Ça serait une Britannique, mais par contre, elle parle très bien norvégien. Oula. C'est horrible cette paire de skis. Je peux pas prendre encore mon fusil, d'accord. Putain, pour une Britannique, elle parle très très bien le norvégien. Enfin, je crois que c'était du norvégien. Ouf, putain, j'ai eu peur. Ok, d'accord, j'ai des couteaux. Un couteau, un fusil, ça devrait le faire. Pour le multi, je m'étais mis C pour changer, mais bon. Donc, alors, on va mettre C pour s'accroupir intégralement. Là, ça devrait le faire. Runtergelassenen Hosen.
seiner Hose zwei Löcher sind. Du wirst einen Blick darauf und meinst, er steckt mal die Beine durch. Oh, ça commence bien. Oh là là, ça commence bien. C'est quoi? Putain. C'est quoi tu moi, allez vas-y, on va recommencer. En fait je trouve que Solveig Fia Borgjørstad, oh, c'est ça le très sacré nom. Faut savoir, vraiment l'infiltration dans ce jeu elle est dégueulasse, enfin, mais on se fait repérer en une seconde chrono, vraiment, ça, alors que je suis qu'en normal, hein. C'est pas bueno tout ça. J'espère que je réapparais sous le pont. Ouais, nickel. Quoi? Ah, ok, je les ai dans la lumière. Oh là là, putain, elle commence mal cette mission, hein. Mon Dieu. Das Schrapnell hatte seine... Oh là là. Il doit être le plus mauvais résistant au monde. Est-ce qu'il est?
pas, je l'ai tué. Peut-être que Jara voudra descendre une échelle normalement. Putain, ils ont même pas entendu les tirs. Putain, les missions d'infiltration, mon dieu. Allez. Dirk Vinko, lui, il l'a réussi sans déclencher l'alarme. Il va pas bouger lui.
trengte den her. Allez, est-ce qu'on va faire notre possible pour s'infiltrer Stis, mais bon. C'est un peu loupé, je crois, mais... Franchement, je trouve vraiment que la difficulté d'infiltration pour du normal, elle est insane, quoi. Passe par le haut ou par le bas. Je ne suis même pas repéré qu'on me tire déjà dessus. Bloqué. Non, allez, c'est parti. Partir par là-bas.
pas encore allé là-bas. Må være her i nærheten.